Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Dynamic Game de Challan. Donc on est là pour ouvrir un petit colis avec mon ami Driss, qui est en stage pendant combien de temps mon Driss? Une semaine. Une semaine, voilà. Bon, j'ai un client qui est là qui est en train de nous mater, il se fout de nous, mais d'une force. Exactement. Allez, on regarde ce qu'on a dans le colis, allez Zordi. Allez vas-y, ouais des pelures. Allez vas-y, let's go, il y a un peu de rapprovisionnement j'ai l'impression, fortement. Alors, on a du Dakar, allez vas-y Driss, on sort les produits. Petit déballage de colis. Une manette Xbox One. Ouais. Hop là, tu mets ça à côté. On a encore du Dakar. Plein de FIFA 23. Plein de FIFA 23 sur Switch. Ouais, qui n'est pas évident à trouver apparemment en ce moment. Ils ont du mal à réapprovisionner. Electronic Arts a du mal à fabriquer. Donc ça va être compliqué à avoir d'ici quelques temps. Oh, du Pikmin en réapprovisionnement. Du Pikmin sur Switch. Je repousse un peu le colis. Oh le bordel. Oh, j'ai un ami qui se fout de nous là, c'est abominable, attends, abominable. Attends, ah, c'est beau. Ah, t'es plus beau, voilà. C'est moi l'ami, hein. Mathieu, ça va? C'est pas mal, Lyon. Pikmin. Oh, Baldo, très très bon jeu de rôle. Si vous connaissez pas, très très bon petit jeu de rôle qui ressemble un peu à Zelda. Donc pour pallier un peu le manque de Zelda, il n'y a pas de grosse nouveauté. Le prochain Zelda, c'est le 12 mai, donc on a encore un peu le temps. Donc Splatoon 3, encore un peu. Un peu le temps. Le dire automata en réapprovisionnement, ah bah, il va être content, mon ami Damien. Damien m'a appelé hier pour savoir s'il m'en restait. Bah voilà, j'ai reçu ce matin. Magnifique Pop, Figer. C'est quoi ça, Figer? My Hero Academia. C'est ah oui, ça, d'accord, ok. Oui, ouais. Encore du Nier Automata. Hop, allez, donc on a quoi? Du Minecraft. Oh là, on a reçu du Mathieu ce matin. Ouh. On a reçu du Minecraft. Hawks. Une belle figurine de Hawks. Oui. Donc des petites pop à pas cher, hein. On a encore du Splatoon 3, on a reçu encore un FIFA sur Switch, Pikmin et encore du Baldo qu'on attendait en réapprovisionnement, donc du Pikmin, vous voyez, et du Baldo et la pièce maîtresse, non faut que t'enlèves parce qu'avec le cache en carton c'est très très moche. Allez vas-y, arrache-le, c'est pas grave. Hop, vas-y. C'est une belle shot. Assassin's Creed. Voilà. Donc voilà. Ouais, exact. Donc dispo au magasin aujourd'hui même. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir, salut. Salut Mathieu. Rebonjour à tous les amis. Donc on était avec Driss toujours. Donc là on a reçu un second colis, mais ça cette fois-ci ça sent bon les amis. Ça sent très très bon. Ça sent la PlayStation 5. Il va être temps. Ras-le-bol d'attendre. Donc bon, apparemment il débloque des quantités. Par contre, vous savez tous qu'elle a augmenté de 50 euros. Donc elle est à 550. En plus, le pire, c'est que Sony, comme dans tous les magasins, nous oblige à prendre des jeux en plus, à prendre des accessoires. Sinon, ils ne nous vendent pas la console. Donc forcément, bah, ça grimpe tout de suite. Donc une console qui se retrouve à normalement 500 euros, 499,99, on monte à 550. Et là maintenant, on se retrouve à vendre des jeux en plus ou des packs jeux. Donc une console comme ça, vous allez voir. Et voilà, c'est bien ça. À la sortir, ça va être moins marrant. Et voilà les amis. Regardez-moi ça. La fameuse. Les PlayStation 5, FIFA, donc il y a forcément des heureux qui vont être contents de venir chercher leur console aujourd'hui. On en a reçu un tout petit peu et on a reçu un peu de jeu. Donc là, c'est une présentation rapide. Clac, ça commence au moins à se décoincer parce que c'était un peu compliqué. Hein, t'as vu toutes les demandes qu'on a eues. C'était un truc de fou. Hop là. Donc merci à fournisseur parce que c'est pas évident à choper. On a reçu forcément des manettes PlayStation 4, que c'est un colis Sony. Voilà, et les jeux qui vont avec, forcément, donc du Last of Us, donc c'est le pack vendu obligatoirement avec The Last of Us, puis un peu de FIFA sur PS4 qu'on avait du mal à trouver sur PS4, apparemment ils ont du mal à refabriquer, les Chronic Arts s'en trouvaient un peu au pied du mur, bon, c'est agréable pour tout le monde, donc ils ont un peu de mal aussi. Donc ben voilà, donc on va encore faire des heureux avec cette belle PlayStation 5, vous voyez. Voilà, donc tous ceux qui ont réservé au magasin, eh bien voilà, je risque de vous appeler aujourd'hui. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir.